honoré d'avoir été reconnu par le client comme ayant accompli cette mission d'une manière très satisfaisante, honoré d'être reconnu par Valtus également. Alors les enjeux pour l'entreprise étaient une remise en confiance du management groupe et du management local par rapport à sa fonction financière qui avait été complètement déstructurée. Le but essentiel de la mission était de pouvoir, dans un temps relativement court, même s'il était supérieur à une année, de redynamiser l'équipe pour qu'elle se refocus sur les objectifs qui lui étaient demandés, de délivrance des chiffres en temps et en heure, et puis aussi d'honnêteté et de comportement. Mes réalisations ont été déjà de renforcer cette équipe qui était assez éclatée par des recrutements adaptés et la mise un peu sous contrainte de cette organisation de manière à ce qu'elle réponde aux exigences du groupe et également aux exigences du management local. Il y avait une grosse remise en confiance à refaire dans la mesure où par un certain nombre d'événements antérieurs à mon arrivée, cette confiance était complètement perdue et il y avait eu de gros soucis de gouvernance de cette direction financière d'une manière générale. Ma parfaite connaissance du secteur, puisque dans une vie antérieure, j'avais eu à gérer des sociétés très semblables d'un point de vue du process industriel et des marchés à cette société LME. Ensuite, ma seniorité, qui fait que j'ai pu d'emblée imposer à la fois aux équipes de la direction financière et aussi à mes collègues du CODIR mon expérience et la dérouler dans un contexte qui m'était familier. Le choix du management de transition, c'est le choix de la liberté, le choix d'aventures humaines très diversifiées, la certitude de ne jamais s'ennuyer, le goût du challenge, le goût du changement et un peu le goût du risque. Le manager de transition doit d'abord avoir un leadership évident pour pouvoir mener à bien ses missions le plus rapidement possible, mais il doit être aussi curieux, avec une grande capacité d'écoute et toujours dans la plus grande humilité. Il ne faut pas choisir ce métier si on a peur du changement, si on a peur du risque et si on a peur de sortir de sa zone de confort. C'est le choix de la liberté, le choix d'aventures humaines très diversifiées, la certitude de ne jamais s'ennuyer.